Eh bien, salut et bonjour à tous. Donc, on se retrouve pour un nouvel épisode avec le Sporting Club de Bastia. La suite. La suite, alors, je vous avais dit que j'allais faire quelques transferts. Bon, clairement, j'en ai fait qu'un seul. J'ai pas trouvé de personnes intéressantes à recruter pour l'année prochaine, tout simplement parce que bah, je suis encore en Ligue 2, donc ça intéresse pas grand monde. J'ai trouvé donc mon bonheur à Rennes. Encore à Rennes, vous allez vous dire. Je suis fan de cette équipe, oui. Donc Moussa Djité. Donc Moussa Djité que. Donc je l'ai acheté. Donc il vient de Grenoble. Il a été acheté 700 000. Je l'ai acheté 925 000. Donc un tout petit peu plus cher que ce que Rennes avait pris. C'est comme ça. Après, bon, il a une bonne fiche, hein. Moi, c'est ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un mec capable de mettre des buts. Clairement, on vient de perdre Goebbels, c'était une grosse perte. Donc voilà, c'était ma seule recrue pour l'instant. Voilà, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse, c'était un buteur. Et après, donc on verra à l'intersaison directement où là je devrais prendre des décisions. Là, j'étais incapable de prendre des décisions parce que ouais, voilà, c'est Bastia en Ligue 2, donc c'est pas forcément, ça attire pas forcément même pas du tout d'ailleurs. Ça n'attire personne, donc voilà. Tous les joueurs que j'ai essayé, c'est oui, mais bon, c'est hors de question qu'ils négocient avec moi tant que Bastia n'est pas monté en Ligue 1. Bon, bah écoutez, si tout le monde le demande, on va faire remonter Bastia en Ligue 1, tout simplement. Alors, joueurs, les points serrés, je crois que vous faites la différence. Allez, c'est parti. C'est parti, donc match contre 3. Donc 3, c'est l'équipe qui nous avait battu. Donc là, clairement, faut prendre la revanche. Ils ont battu 2-0 la deuxième journée du championnat. Donc là, je veux pas avoir autre chose qu'une victoire. Et le Mokedem. Oh là là, ça va en corner. Sur 10 minutes de jeu, 5 tirs à 0. Je peux pas dire que c'est mauvais. Santelli au corner. Serrano qui dégage de la tête. Allez, Santelli, on court. Voilà. Pour Martin. Martin qui résiste pour Vincent, pour JT. Oh là là, JT qui se fait tacler juste au dernier moment. Bon, déjà ça se trouve bien. Corner très mal tiré encore une fois. Angers qui mène, je pense. Non, un partout. Allez. Lippini à la touche, El Mokedem. Martin. Vincent pour El Mokedem. Et but! But de Hakim El Mokedem. Parfait. Parfait. Gros début de match. De toute façon, on imposait. Donc il fallait que le score, ça commence à refléter notre domination. C'est fait. C'est fait. Et donc du coup, on... Faut continuer. Je les ai félicités, tout le monde? Non, je les ai pas félicités. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Truffert, son contrôle. Qui joue en triangle pour la récupérer. Ah, Vincent qui n'arrive pas. C'était un peu trop long la passe. Allez, voilà. Guidi. Lippini, on relance proprement. Voilà, on construit. C'est ça que je veux voir, Bastia. Martin. Martin pour Santelli. Ah, oh, le bout du. Oh, du bout des doigts. C'est dommage. Ça méritait d'aller au fond. Allez. Martin au corner. Très mal tiré, ça. Allez, Guidi qui récupère. Allez, Emmanuel, faut le stopper. Corner. Corner à suivre, Dingomé. Ouais, coup franc pour Bastia. Allez, on va gentiment aller jusqu'à la mi-temps. 14 tirs à 5, c'est une bonne domination. Après, il manque un deuxième but pour pouvoir respirer un peu plus. Martin, Vincent. Pour l'instant, on n'a ni vu Rutter, ni je sais plus son nom.
Oh là là, Martin, premier but de la saison. Il mérite. C'est mérité pour Marvin Martin parce qu'à chaque fois, c'est vrai qu'il fait un travail dans l'ombre. Il fait des bonnes passes, donc c'est mérité. Truffert, la bonne vision de jeu. Parfait. Féliciter équipe entière. Allez, vestiaire. Je suis très content qu'Otilius soit rib. Angers, donc Angers, qu'est-ce qu'ils font là, Angers? Et ils perdent 3-2 à l'instant. Donc ça, c'est parfait. Bocconi pour Vincent. Vincent pour Santelli. Alors, depuis le match contre Angers, c'est vrai qu'on fait aucune erreur. Aucune erreur en match. JT, voilà. JT a refusé, c'est dommage pour son premier but. C'est pas grave. Il y aura d'autres occasions d'en mettre. L'équipe se comporte très bien. Rien à dire. Alors 3-3. JOCR qui. Non, il y a 3-3. Il n'y a pas 3-2, il y a 3-3. Oh là là, la mauvaise passe. La mauvaise passe, Nguette. Oh là, le poteau. Le poteau qui sauve l'écorce. Le poteau de Opa Nguette. Allez, Santelli à la touche pour Martin. C'est dégagé. C'est récupéré par Sinclair. Emmanuel. Abdallah, Dingomé, Emmanuel. Allez, séchez-moi-le. Séchez-le. Et non, Opa Nguette. Ouf. Ouf. On va dire qu'on a eu un peu de chance. Bon, de toute façon, c'est la fin du match. J'allais faire des changements, mais bon. Ça ne sert pas à grand-chose. Ah oui, je joue contre Andrézieux, je crois, en Coupe de France. Ou enfin, un petit club. C'est pas un club qui fait peur. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Je sais plus c'est qui exactement. Je sais que c'est pas un énorme club. Pas un énorme club, mais je vais vous montrer ça. Allez, dégage-moi ça, c'est la fin du match. Ruiter. Ruiter. Oh, penalty. Penalty. J'aimerais juste changer le tireur. Et mettre JT. Moi, je crois que c'est lui. Oui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. Allez, maintenant, faut y aller. JT, et voilà, 3-0 pour Bastia. Moussa, JT. Ça lui fait un bien fou niveau de la confiance, le commentateur a totalement raison. Je vais le faire tirer de toute façon. Ah, Angers qui gagne 4-3. Angers qui prennent des buts. Angers qui prennent des buts. Donc on reste à 5 points, 6 points de Valenciennes toujours. Ah, Guingamp 3 et Caen ont lâché. Enfin 3, oui, je viens de les battre. Ils ont lâché le wagon. Allez, continuez. Un Truffaut en grande forme. Votre travail défensif était du haut niveau. L'équipe de 3 poursuit sa série d'invincibilité. Et oui, parce que ça date de 3 tout ça. Regardez. Ah non, c'était la troisième journée. 3 qui nous ont battu 2-0. Et ensuite, donc on a enchaîné soit des victoires, soit des matchs nuls. Et on va jouer contre Andrézieux, Boutéon FC. Donc, bon, c'est pas une équipe qui nous fait trop peur. National 3 d'Auvergne. Ça nous fait pas peur. Ça nous fait pas peur du tout. Donc, on a les moyens de gagner, de se qualifier. Donc, ça, on verra ça dans 7 jours. Allez, partir en vacances. Le match suivant, partir en vacances. Voilà. Ouais, Coupe de France qui devrait être assez facile.
Il faut rien lâcher. Andrézieux après Guingamp. Donc Guingamp, ça va être un match aussi, il faudra pas passer à côté. C'est adversaire direct. Adversaire qui se sont positionnés dès le début de championnat pour la montée. Suis quand même assez surpris du jeu. En même temps, Goebbels, il nous a sauvé des. Il nous a sauvé des matchs, a marqué des buts, mais. Mais là, sans lui, ça va être un peu compliqué. Donc je compte beaucoup sur le recrutement de JT. En même temps, on a mis la somme, hein, un peu moins d'1 million, ça commence à causer. Je pouvais plus faire de prêt. Je ne pouvais plus faire de prêt, donc mes moyens étaient assez limités, on va dire. Ok. Équipe de la semaine, donc on a Truffert, on a Bocconiano. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout. Oliro blessé. Kiné. Oui. Tactique, Didadidadoum, McCann, Vincent. Ok. Et Vincent à la place de. Voilà. Quoi? Santelli. Venir ça. Ouais, le petit Maes qui va revenir sur le terrain. Non, j'ai l'un, je le veux. Allez. Personne veut venir chez moi pour l'instant. Ouais, plein de joueurs que je suis et qui vont ailleurs, ça me saoule. Rencontre. Ouais, réunion tactique. Offensif, très offensif. Ouais. Soyons fous. Sans le but, c'est comme je vous disais, c'est de se qualifier sans forcer. Allez, c'est parti. Pas trop de causeries, c'est vraiment pas un match qui me fait trop peur. Allez, il faut quand même le gagner. Allez, justement, Marvin Martin au corner. Ouh, Bocconiano, Maes qui perd le ballon. Truffert qui récupère. Bocconiano, Maes. Truffert pour JT, but refusé. 3 buts de marqué, dont 2 refusés. C'est pas de chance pour lui. Allez, Petro. Lipini. Lipini, voilà. El Mokedem qui peut la mettre sur JT. JT qui contourne bien le gardien et ça fait but. Et voilà. El Mokedem, encore une fois, bah, superbe passe.
Et Gitan, t'as bien vu, il a mis du temps à partir. Voilà, il a attendu que le ballon passe. Il a bien contourné le gardien. Quelqu'un s'est blessé, El Mokadem? Non. Surtout pas dans un pauvre match de Coupe de France comme ça. Blessé mais pense pouvoir continuer. Bah, non, non. Rien du tout. Je vous contre Andrézieux, c'est pas non plus. J'ai rien contre les Bourguignons encore une fois, hein, mais. Enfin contre les Auvergnats, après si c'est en Bourgogne, je sais pas, mais c'est en Auvergne. Ouh. Eh ben je crois qu'on a trouvé notre buteur. Excellente tête. Qui c'est qui est au corner, Marvin Martin? Ouais, bon, après, il n'y a pas de défense, hein. Attention. Attention, mais au moins, c'est très bien, il met des buts. C'est ce que je voulais, parce que Rutter est bon, mais il n'est pas encore excellent. Après, JT, lui, il a 22 ans, donc je me dis, il a déjà atteint une partie de son potentiel, quoi. Et ben voilà, il me fait taire. Concours de celui qui a la plus grosse, quoi. Ça y est, je parle de lui. Il veut absolument marquer. Allez, Traoré. Goubet. Guidi pour Lipini. Gadi. Gadi. Ouf. Sauvetage de haut niveau au long de la ligne de touche. Allez, Guidi, ça repart. Guidi pour Lipini, McCann. Gadi. Gadi qui va pouvoir tirer, mais c'est trop faible. C'est trop faible. C'est beaucoup trop faible. Oh, Martin qui dégage pour JT. JT qui percute dans la surface. Oh, c'est quoi cette passe cadrée? Attends, la demi-heure de jeu. Maes qui est pas excellent. Desmartin. Mouni. Très belle parade de Vincent Zini. Vincent Zini qui a, contre toute attente, récupéré sa place de titulaire indiscutable. Et je l'ai eu vraiment au dernier moment parce que j'ai vu qu'il était gratuit. Il s'est fait lâcher par le RC Lens. C'est dommage. Enfin, tant mieux pour nous. Ouh, la frappe croisée qui partait en pleine lucarne. Et ça touche la barre du coup s'il n'y a pas corner. Ouais. Ok, vestiaire. Très content, continue sur ce rythme. Par contre, on va éviter la fatigue. Ça sert à rien de trop en demander. Alors, au niveau des scores, qu'est-ce qui se passe? Arcelan justement qui gagne. D'accord, Toulouse qui bat Sochaux. Un partout entre Dijon et Marseille. Ah, 2-1 d'ailleurs. Penalty. Bon, JT. Et voilà. 4-0. C'est très bien. Liste équipe entière, je vais faire des changements parce que ça sert à rien de cramer l'équipe, notamment Martin, notamment Truffert. Et voilà, c'est très bien comme ça. Ouais, donc 2-1 pour Marseille, 3-0 pour Nice, 2-0 pour Rennes, Lovro Majeur et Brugeot. Brugeot, j'ai tenté de le recruter. Rennes avait accepté une offre, mais le joueur, impossible à faire venir, quoi. Donc on essaiera cet été. Maintenant qu'on sait qu'on peut le faire venir. J'ai fait un bon petit montage financier, mais c'est pas possible. Rennes est qualifié en compétition européenne, donc. Donc ouais. Alors, Lipini au coup franc. Ouf, ça passe pas loin. Bon, c'est match de plaisance, hein. Match vraiment de plaisance. Aucune difficulté à remporter ce match, donc tant mieux. Tant mieux, ça fatigue pas trop les joueurs. Ça permet de passer un tour suivant et surtout d'atteindre le 11e tour comme nous le demandaient nos dirigeants, donc ça c'est bien. Et voilà, terminé. Terminé, donc maintenant on se tourne vers Guingamp.
victoire, bien joué. Maintenant, on se tourne vers Guingamp. Victoire facile. Ok. 10e tour de la Coupe de France. Le 11e tour, tirage au sort quand? Le 16, donc demain. Donc on va le faire ensemble. On va le faire ensemble. On va se laisser un petit suspense là même. On va s'autoriser ça. Sadia au moins. Je m'en fous. Voilà, réunion recrutement. Tirage au sort. Alors. Donc 11e tour. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste des gros clubs. Ah bah Paris n'en fait plus partie déjà. Ah, donc si Paris n'en fait plus partie. Il reste qui c'est qui nous fait peur? Il y a Rennes, Marseille, Nice, Lyon, Monaco. Et voilà. Oh merde, je les aurais bien pris moi. Rennes. Eh, pour la beauté, je les veux. Ah, c'est beau. Amiens, oui, ça me dérange pas. Marseille, tant mieux. Marseille qui tombe. Bastia. Contre la GIA. Parfait. Eh ben, c'est parfait. Que demander de plus? Rien du tout. Ok. C'est qu'on en 2 jours. On profile, partir en vacances. Jusqu'au prochain match. Ouais, Auxerre, bah c'est juste. Bah vous le verrez demain, enfin, demain ou lundi, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout où j'en suis. Non, ce sera lundi que vous le verrez. Le 11e tour de la Coupe de France. Conseil de sélection d'équipe. Rutter et JT, j'ai modifié? Non. Juste remettre Santelli sur le terrain, c'est tout. Allez. Ça marche. On peut se mettre en très offensif, mais en offensif c'est déjà bien. Rapport équipe, non, moi je veux la dynamique de groupe. Cohésion d'équipe, donc elle est bonne. Excellente, nous avons 8 joueurs mécontents. Bah oui, c'est des joueurs qui veulent jouer, hein. Demandez à partir. Va être prêté. Demandez à partir. Pour plus de temps de jeu. Inquiet, ne pas jouer dans son meilleur rôle. Enfin, t'es blessé. Mécontent dans les médias, veut partir. Veut partir. Veut débuter plus de matchs, ne joue pas son meilleur rôle. Eh, c'est bon les gars. On gagne, on est premier alors que normalement on devait être dernier. Faut arrêter de vous plaindre. Allez, Guingamp. L'en avant Guingamp. Donc je l'ai toujours autant. Hein. Pas de soucis pour ça. Lucchini attire les convoitises. C'est qui lui? C'est qui jeune de 17 ans? Un nouveau contrat, finaliser, négocier, oui. Ok. Allez, Guingamp. Guingamp, c'est pour moi ça. Alors, il y a qui d'autre comme match? Rien d'intéressant. Rien de trop intéressant. Valenciennes, ok, Angers il joue où là? Il joue pas Angers. Il joue pas Angers parce qu'ils ont déjà joué. Ils ont déjà joué et gagné d'ailleurs. Ok. Comment s'engager, oui, si tu veux. Allez, on va au roue du roue ou... C'est pourri comme nom en plus de stade. Le roue du roue. Roudourou, on y est. Joueur, les points serrés. Allez, faut surtout pas perdre la face devant. Oh, le petit Sacha Boué qui est là. Petit Sacha Boué qui pourrait être une de mes futures recrues. Transfert.
Interroger l'agence sur disponibilité. Et oui, le petit Sacha Boué qui pourrait venir chez moi. Ouais. Je vais d'ailleurs maintenant faire une offre. Date du transfert immédiatement. Ouais. Oh, fin de la saison. Un transfert sec à 400 000 serait parfait ça. Sacha Boué, c'est un petit joueur que j'aime beaucoup. Je suis vraiment auto-centré sur le Stade Rennais, je crois. Je connais les joueurs parfaitement, ça m'aide aussi. Pas m'en vouloir, t'es sur JT. Vous inquiétez pas, je vais pas renommer le Sporting Club de Bastia en Stade Rennais, vous inquiétez pas pour ça. Allez, deuxième chance pour Martin. Non, c'est dégagé. Guidi. Guidi pour McCann. McCann pour JT. Ah, JT. Alors, faut que je regarde sa note d'appel. D'appel de balle. Parce que moi, c'est ça qui me surprend le plus. C'est sa capacité à faire des appels de balle. À chaque fois, les joueurs, ils les trouvent bien dans les trous. Donc, soit mes joueurs, ils sont tous excellents en passe depuis 3 matchs. Soit le mec fait des appels de fou furieux. Appel de balle 13. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon. McCann, Martin. Ruther, JT. Martin qui se fait prendre. Il la récupère Santelli. Santelli qui peut décaler sur Truffer. Truffer qui a la place. Elle est à la place, mon grand. Penalty. McCann, non. Non, 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 non. Je vais faire tirer Ruther parce qu'il est inquiet. Et moi, j'aime pas ça. Je préfère l'avoir bien dans le match. Jorginho Ruther qui s'élance. Et voilà, parfait. Parfait pour Jorginho Ruther. 2-0. J'espère qu'il va être moins inquiet. Maintenant qu'il a mis son petit but. Ah, il est content. C'est bon. Il est content. C'était un risque à prendre. Ça, si ça trouvait preneur, c'était bien. Bien joué, McCann. Attention, Marvin Martin. McCann qui récupère. McCann qui met un long ballon pour Santelli. Santelli qui la met pour Ruther. Oh là là, JT, ça aurait été énorme. Ça aurait été juste énorme. Attention, Martin. Les corners sont mal tirés. Mais pourquoi tu cours pas? Ok. Ok, bon. C'était un peu brouillon tout ça. C'était un peu brouillon. Ok, donc on met 8 points à Valenciennes là. Pourquoi Valenciennes perd ou ils ont déjà perdu la journée d'avant. Ou JT magnifique contre l'orienté de la poitrine. JT pour le doublé. Oh, et imaginez 2 minutes. JT et Goebbels, ça pourrait être énorme. Ça pourrait être énorme. Alors Valenciennes qui gagne 1-0. Je sais pas quand est-ce qu'ils ont mis leur but. JT pour McCann. McCann qui fait de la merde. Ok. Miguel Rivas. Depré, Miguel Sabali. Sabali. Sabali qui se fait tacler proprement par Guidi. Et c'est pas fini. Vincent Zini qui est là. Et en plus, même pas de corner. Puisqu'il a tiré sur le poteau après. Valenciennes, donc non, ils viennent juste de marquer. Ouais, 28ème. Donc non, non, j'ai encore 6 points. JT. Ah, le contrôle était long. C'est dommage. C'est bien dommage. Allez, Guidi. Guidi qui peut la remettre sur Ruther. Voilà, Ruther. JT. JT et ses corners. Attention, Santelli. Santelli. Ah non, c'est dommage. Ça a dit. Oh, Martin qui se fait prendre bêtement par une faute. Une faute de débutant, comme on dit. Bon, on se dirige tranquillement vers les vestiaires. Ouh, Ruther qui a failli mettre le. Qui a failli mettre un autre but. Vestiaire.
Je suis très satisfait du déroulement de la rencontre. Écoutez, les gars, y a rien à dire. Et par contre, on en met des buts depuis le match contre Angers, là. Je sais pas ce qui se passe, mais ça fait plaisir. Donc, McCann et Martin, une passe décisive chacun. Deux buts pour JT. Santelli à la touche pour JT, justement. Truffer, Martin. Martin. Pouh! Marvin Martin qui met un missile sous la barre. Enfin, je crois, parce que ça allait vite. Hein. Faut me laisser regarder le ralenti. Mais c'était très beau. Alors, Santelli. Truffer. Martin. Oh, gardien qui s'est même baissé pour ne pas se prendre le ballon dans la gueule. Bon, allez, 4-0. 4-0. Consigne, non. Consigne là. On va baisser le rythme. Ça sert à rien de fatiguer les joueurs. McCann et Martin qui sont complètement morts. En parlant de ça, tac. Martin, Vincent, McCann, Dungé. Ah bah je me suis pris un but. C'est pas grave. C'est pas très grave. 4-1. Allez, de près. Ça a dit pour Graphic Gitane. Gitane pour Rivas. Excellent tacle. Et ça fait corner. On ne peut pas se relâcher, les gars. On est au roudourou. C'est pas n'importe qui. C'est Guingamp. Faut les éclater. Y a pas d'autre. Faut qu'ils prennent le tarif minimum. Sacha Boé. Sacha Boé, Rivas. Putain, 4-2. Mais c'est pas possible. Réveillez-vous, les gars. Encouragez. Ah bah, soyez déçus en même temps. Fin du match. Bien joué les gars, belle victoire. Et bah écoutez, pas mal de buts encore une fois. Pas mal de buts. Bouya des doutes. Bon bah ça. Bah, ça va se négocier très rapidement. Non, non, non. On renforce rien du tout. Ah, il me laisse pas le choix. Il me laisse pas le choix. Bah écoutez, de toute façon, en même temps, je demande à renforcer des milieux. Donc. On va le faire signer pour 3 ans. Non. 3 ans. Petite prime en plus. Ah, c'est son adjoint qui voulait dire allez, signe un peu. Moi j'ai du fric. Eh oh! Voilà. Voilà, Sacha Boué pour 2 ans. C'est bon. C'est fait. C'est fait, c'est fait. Alors si on regarde le calendrier, donc bah, on enchaîne. Depuis le match contre Angers, on a mis donc 14, 17, 18, 21, 21, 20, 29 buts. En quelques matchs, c'est parfait ça. 14, 17, 18, 21, 21. Ouais. Et ben c'est pas mal. Donc la prochaine fois, donc pour lundi, on se retrouvera donc pour le début de semaine. Donc là, on va attaquer la fin du championnat, clairement. Il reste combien de matchs? 3. 3. 3. 3. Ok, donc va falloir que j'essaie de. Ah bah non, 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 parce qu'il va peut-être y avoir d'autres matchs de Coupe de France. Donc voilà. Bon, et bah écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.